Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien.com. Inutile de vous présenter le PA1000, PA700, PA4X, vous les connaissez, ce sont des références aujourd'hui dans la famille des arrangeurs, mais je vais surtout vous parler de tout ce que je peux en fin de compte mettre en stock dans ces appareils. Entre autres, les styles. Comment trouver les styles? Directement sur korg.com. Vous allez pouvoir les télécharger, c'est gratuit, et vous allez pouvoir donc les incorporer dans les produits. On va bien sûr prendre un exemple sur les toutes dernières banques. Je prends un exemple avec le PA1000. J'ai bien sûr enregistré sur la clé USB tous mes styles. Pour le chargement, ce que je vous avais dit, on enregistre directement via le site korg.com. Je rentre ma clé USB, je vais directement dans le menu Média et je vais aller directement chercher ma clé USB. De là, j'ai mes trois, là j'ai pris le 36, 35 et 34, ce sont des fichiers de style, les tout derniers fichiers de chez Korg, qui sont encore une fois gratuits, et là je vais choisir le fichier qui m'intéresse. Je vais l'ouvrir, il m'indique que je suis bien sur un volume de 7, je vais encore l'ouvrir, appuyer sur le style, encore ouvrir, et là j'appuie sur les users. User style 1, je vais pouvoir faire un load, sur ce load il va m'indiquer où je vais pouvoir le placer, que ce soit dans des users, 1, 2, 3, jusqu'à 12, je vais prendre par exemple le 12, et là, je vais directement le charger. Il me dit, est-ce que j'en suis sûr? Yes. Et c'est chargé. Pour récupérer maintenant ces nouveaux styles, je vais sur ma famille Factory et je vais aller sur la banque User. Sur cette banque User, je vais retrouver mes users et je vais avoir mon User 12 où j'aurai mes nouveaux styles. Écoutons maintenant quelques exemples du volume 36.